Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BlaBlaCar. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Tristan et Tristan pour parler des différentes phases. Bonjour Tristan. Bonjour. Bonjour Tristan. Hein quoi? Oui, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi finir ma bière. Dites-moi Tristan, pourrez-vous expliquer en quelques mots pourquoi le tour est découpé en différentes phases? Alors, le tour est découpé en différentes phases pour limiter les actions des joueurs et pour donner des conditions d'activation implicites. Merci. On se retrouve dans quelques instants, mais avant cela, voici les réclames. Et nous voici de retour sur Question et un champion pour le grand moment, le face-à-face. Donc en sujet, nous avons un monstre. Donc on cherche un monstre. Top, je suis un monstre paru le 18 août 2012 dans le retour du dueliste en secret rare. C'est la. La Ménois ? Non. D'élémentaire, je fais partie d'un groupe de monstres représentant les 4 éléments alchimiques. Je passe. De type bête guerrier, j'ai 2800 points d'attaque et 2200 points de défense. C'est. La Ménois ? Non. Avant mon erratum, j'ai été banni, mais il m'a permis de revenir en ne pouvant faire. Je passe. En ne pouvant faire mon effet qu'une fois par tour, je récite un monstre après m'être invoqué de la main avec. C'est la main noire ? Non. Avec 5 monstres terre au cimetière, je suis. Grand Zeus, le seigneur élémentaire. Félicitations, vous avez gagné un paquet de 40 sacs. Je vous attendais. Oui, bonjour, je viens vous voir. Je sais, tu viens me voir au sujet de la prochaine banniste Yu-Gi-Oh! Comment vous avez deviné? Ben, je suis devin. C'est ah tout. Oui, c'est vrai. Vous avez de quoi payer? Oui, bien sûr. Alors, oui, donc. Oh, mon préféré! Alors, je vois. Tout trou Draco est autorisé x3. Mais non! Ensuite, invoquer Moki Moki Meta. Mais c'est quoi? C'est pas possible ça! Ainsi que Gookie Nightmare. Touché. Mais non, j'ai tout investi là-dedans! Vous avez plus que la sirène d'autoriser. Quoi? Les 5 autres lignes sont bannies. Et puis. Oui. Et puis c'est tout! Nous revoilà sur le plateau de BlaBlaCar et nous continuons tout de suite avec Tristan. Donc dans le détail, il existe 6 phases. La draw phase, la standby phase, la mind phase 1, la battle phase, la mind phase 2 et la end phase. Pour toutes ces différentes phases, on peut activer des effets rapides ou des effets spécifiques. Donc, commençons par la draw phase, elle permet de piocher une carte, d'activer des effets rapides ou spécifiques. La standby de même, elle permet d'activer des effets rapides ou spécifiques, comme Crapaudélique, dont son effet est de détacher un de ses matériels pendant la standby pour invoquer une grenouille depuis le deck. La main phase, elle, permet d'activer des effets d'élixion Spell Speed 1. Donc pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir la vidéo du BlaBlaCar numéro 3, les effets de monstres, et d'activer aussi des effets rapides ou spécifiques, comme toutes les phases. On passe ensuite à la phase que je juge la plus importante pour 90% des decks, la battle phase. Donc en début de battle, on peut activer des cartes du style rugissement menaçant qui empêchent les monstres de l'adversaire d'attaquer, ce qui peut précipiter la fin de la battle phase. Après le début de cette battle phase, on passe en battle step, où là on peut éventuellement déclarer des attaques avec ces monstres. Lorsqu'un monstre déclare l'attaque, on passe directement en damage step. Oh grand dieu, arrête-toi là! Donc,
Pour être exact, lorsqu'on passe en battle step, on peut déclarer effectivement d'éventuelles attaques avec des monstres, mais si on peut activer une seule chaîne à cette déclaration d'attaque, il existe un moment, toujours en battle step, au cours duquel on peut activer d'autres chaînes autant qu'on veut. Ensuite, arrive la damage step, et seulement ensuite. Cette damage step se découpe elle-même en différentes étapes, sous-étapes arrivées à ce point. Dans la damage step, on ne peut activer que des effets particuliers qui sont ceux qui changent directement les statistiques d'un monstre, ceux qui annulent l'activation d'un effet, ou encore des effets qui précisent spécifiquement la damage step. Donc, par exemple, différents triggers, on y reviendra. Pour commencer la damage step, il y a le début de la damage step. Si un monstre est face verso, il l'est encore. On a pour l'instant simplement déclaré l'attaque, passé en damage step, et le Kalidor, par exemple, qui a pour effet au début de la damage step de détruire un monstre non ténèbre qu'il combat, s'active à ce moment-là. Si le monstre était face verso, l'effet de Kalidor ne passe pas, vu qu'on ne sait pas quelle est l'attribut du monstre. Ensuite, s'il y avait un monstre face verso, on le retourne et à nouveau, on peut activer des chaînes, des effets éventuellement en chaîne. Troisième étape de la damage step, avant le calcul de dommages. Donc là, on peut activer autant de chaînes que l'on veut, sachant que, encore une fois, on sera limité à ces mêmes effets, sachant qu'il y aura aussi des effets spécifiques à cette étape-là. Arrive le calcul de dommages à proprement parler, où on pourra activer pour la dernière fois des effets qui modifient les statistiques des monstres. Et on ne peut activer qu'une seule chaîne au cours de cette étape. Ensuite, on arrive à après le calcul de dommages. À ce moment-là, les effets flip seront activés. Si un monstre, comme le soldat pingouin, avait été retourné à la deuxième étape de la damage step, son effet ne s'activait pas à ce moment-là, mais maintenant, après le calcul de dommages. S'il devait être détruit au combat, il n'est pas encore envoyé au cimetière. Donc le soldat pingouin peut résoudre son effet à ce moment-là, l'activer et le résoudre. Et ensuite seulement, on passe à la fin de la damage step. Le monstre est envoyé au cimetière, s'il devait l'être, et on pourra activer de nouveaux effets. On passe ensuite à nouveau en battle step. À ce moment-là, on peut soit déclarer de nouvelles attaques, soit mettre fin à la battle phase et arriver en main phase 2. Soit on retourne en battle phase, soit en main phase 2. Et moi, dans mes pégates. Désolé. Nous nous retrouvons dans quelques instants, mais avant cela, voici des réclames. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Tiens Mathieu. Oui. Petite question, qu'est-ce que tu vas jouer au prochain tournoi? Prochain tournoi? Bah cristalline. Ça coule de source. Donc on s'est demandé ce que pouvait donner un match miroir entre deux decks Luna Light. Bah on l'a imaginé. J'attaque. Je contre. Ça va. Comme je l'ai. Et moi je chaîne. L'exodien en main terminé. Nous revoilà sur le plateau de Blablacar et nous continuons tout de suite avec Tristan. Alors, donc on passe ensuite à la fin de la battle phase. Certaines cartes s'activent précisément à ce moment-là. Je pense par exemple à Force Égale, où son test dit bien à la fin de la battle phase. Donc si vous voulez plus de renseignements sur cette carte, je vous invite d'aller voir de nouveau le premier numéro de Blablacar, les N-Trap. Après cette phase, on passe à la Mind Phase 2, qui est exactement comme la Mind Phase 1, on active des effets d'ignition de Spill 1, des effets rapides ou spécifiques. Et ensuite, à la fin de la Mind Phase 2, on passe à la End Phase, la dernière phase du tour, où là c'est principalement l'adversaire qui va activer des cartes qu'il avait posées au tour précédent. Ça peut être des effets rapides ou spécifiques, je pense par exemple là, au Bouc Émissaire,
qui est en ce moment dans le format duel et activé à la une phase du tour pour avoir 4 jetons au début du tour de l'adversaire. Merci à toutes et à tous. Oh grand dieu, arrête-toi là. Pose-toi là que je m'y mette. Merci à toutes et à tous. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouvel épisode de Blablacar. Donne-moi ça à toi. Et toi, t'as servi à quoi? Porte-manteau! De toute façon, le but c'est de la merde, je vais regarder mon truc.